Autorité concernée après toute disposition pour vraiment garder comment qui est capable d'établir la sécurité. La peine d'un pays, hein, parce que les que nous apprenons, conseiller présidentiel qui c'est Fritz Alphonse Jean, lui parlait avec directeur AGDA, la douane, disons bien, monsieur Jules Saint-Édouard, pour garder comment que question ZAM qui rentre en d'un pays. Hein, parce que je m'oublie, un pile de ZAM qui rentre en d'un pays, hein, li passé à travers droit nou yo. En pile zam qui rentre en de pays, hein, ma président encore. Li passé à travers droit nou yo. Et je dis, hein, c'est pas seulement mener opération pour déchouquer bandi à sa patio. C'est pas seulement pour ne capable marier bandi avec yo. Mais si pas gen de disposition qui prend à travers droit nou yo, à travers aéroport nou yo, à travers port nou yo. Et même si la qui gen port privé yo, je dis, c'est la même ici à terre, si que n'a pas de résoudre question insécurité. La police pas chômée, la police pas gain lundi, pas gain mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La police continue à mener des opérations dans fief bandi. Et, baba nous menti, gain en pile plaignant dans fief bandi et vivre ensemble. PM Gariconi, monsieur Clermont, parle pour dire que, délai que, yon pas de baron délai, non, mais yon te dit nèg armé yo. C'est vrai, l'État te mande de déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État. Mais comme jusqu'à présent, il te bien dit, ça, li gon délai pour lui-même. C'est l'État pas qu'à prendre une semaine, pas qu'à prendre un mois, il pas qu'à prendre deux mois, pas qu'à prendre trois mois. Mais selon PM Gariconi, il dit, mais normalement, l'État, gouvernement, CSPN, la police, pral passer à l'action et pral vraiment mettre qui chône dans mes bandits armés. Désir, comment est-ce que vous êtes? Bonne toujours grand plaisir pour nous rencontrer. Nous, là, la réalité, pour continuer à informer les amis internautes qui branchent un peu de partout à travers et différents plateformes. Quel est le sa nouvelle? Les infos, pas une nouvelle, votre calbasse info, racine nouvelle Haïti. Nous, vous êtes chapeau pour nous saluer, pour nous dire merci pour fidélité à nous. Bonne invitation pour le week-end et gagner. Nations Unies qui a adopté résolution 2743-2024 sur renouvellement mandat bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti. Nous voulons parler des Bunis. C'est 15 membres du Conseil de sécurité qui votaient en faveur de la prolongation de cela, qui donc mandat bureau et politique Nations Unies dans le pays d'Haïti, le prolonger jusqu'à 15 juillet 2025. Cap vini là. Autorité ont continué à réfléchir pour qu'il y ait au cap permettre qu'une sécurité en dedans pays. Décision Conseil sécurité et Nations Unies prend pour prolonger mandat bureau intégré Nations Unies en dedans pays d'Haïti. Réaction a commencé à venir. L'explication, le cas de André Michel qui dit que c'est un bon bagage pour Haïti. Plus passé, tout temps, Haïti a besoin de support communauté internationale là pour débarrasser des gangs armés en dedans pays et puis rétablir sécurité, organiser prochain élection et puis rentrer dans le chemin développement socio-politique et économique. C'est ça André Michel déclaré et décision ça selon lui, c'est une bonne décision qui va permettre que le pays a refonctionné normalement tant que ça a été fait dans le temps avant. Et l'autre décision qui essaie d'entreprendre toujours gagner et président et conseil présidentiel transition qui renouvelait engagement. Bon côté parle de situation pour permettre que toute autorité en dedans pays a fait un seul qui cabrion qui arrivé avec objectif qui gagné qui s'est organisé élection faire référendum non et essayer d'entre garder que gens élection cabrivé organisé en dedans pays a dans toute crédibilité et Blaise Peterson. Premier ministre Gariconi avec un ensemble membre qui fait partie conseil et des ministres T. Antonio pour yotal et faire déclaration patrimoniale à travers le gouvernement, eh bien, selon eux, ils ont dit que c'est un pas important qui pourrait permettre que quel que soit le monde qui a venu dans l'État à travers le gouvernement, c'est là, pour respecter et chimer ça, qui va permettre que yo barrer la corruption. Parce que le premier ministre Gariconi a déclaré c'est zéro tolérance contre la corruption. Eh bien, lui-même, il fait privé par les personnes qui ont ça l'entrée et à qui ça l'a gagné pour sortir, les l'a quitté. Gouvernement Blaise Peterson. Dans le département de la Tibonite, situation paraît extrêmement difficile. Et dans la journée qui était samedi à Blaise Peterson, bandit Axam qui n'a pas grand griffe en dedans sa vie, dans la première section communale de Rivière la Tibonite, et bien, il y a tamé avec l'offensif contre bâtiment commissariat de Rivière la Tibonite qui était abandonné depuis le mois de janvier
2023. Police a quitté espace ça. Bandi a déjà pillé, prend ensemble objet de valeur qui était en dedans commissariat si là. Eh bien, après ça, yo mettait du feu chambre par chambre, salle par salle dans commissariat Rivière Latibonite là. En l'air et en l'air dalle là, yo crasé le vide la terre et pour qu'on y a cette démarche après jeune engin loup pour écraser commissariat ça net, c'est ça qui a fait. Si autorité ou pas agi plus vite que possible, eh bien commissariat caserne, ancien caserne Rivière Latibonite là, il pas existé encore dans communauté si là. Dans même journée et 13 juillet à Blaise Peterson, bandi base gang fio fait une offensive fait contre base que Jovenel Moïse te construit méga commissariat c'est là qui dans localité Pachoual qui pas trop loin avec fonction de sous-route nationale numéro 1 ben pour être capable grand commissariat ça d'assaut c'est grâce avec vigilance policier Idmo qui était dans l'espace ça qui était joine Bourad Itaga qui dans commune Verette qui permet que yo que bandi yo pas atteint avec objectif que yo te gain. Faut que nous dire que paysan dans vallée la Tibonite yo bloqué route nationale numéro 1 pour empêcher circulation juste pour demander autorité qui dans la police dans pire au niveau à gouvernement pour répondre pour dépanner ou bien voyons l'autre blindé neuf dans département la Tibonite qui cap camper dans mitan ka fou paye parce que c'est blindé qui pas là qui met bandi gang fio fait ça ou voulez ak ça hôpital dans mitan ka fou si là Blaise Peterson n'a pas rappelé Charles Chancy quitter la ville en prison pour raison humanitaire et bien li lancer officiellement pendant week-end là yon branche nan institut politique qui est assez que la peut diriger dans ville Gonaïve, en pile mon a posé cette question, est-ce que la justice suspend avec dossier Charles Chancy parce que c'est pour problème santé qui a été libéré et bien pour qu'on y a la reprendre toute activité politique li, dans le département la Tibonite Blaise Peterson ensemble point ça yo à divers l'autre bon côté pas nous pour questionner pour analyser avec amis internautes cap garder étendre Blaise Peterson désir m'a dit que et je dis en là que ça gagne dans pays là et m'a capable dit et mon capable dit désir jeudi hein en pile secteur en pile acteur croit que ça qu'a passé en un pays là li mérité pour que nous gardel gien CPM Jean-Michel Lapin monsieur parlé puisque monsieur était invité dans émission analyse sous métropole OK et en même temps tout que PM Koni qui parlait. PM Koni a encore montré que je dis, hein, yo pap tete lang avec bandi. Bien que li te dit récemment, te mande bandi yo, depose zam, reconnaître autorité de l'État. Il te dit ça plusieurs fois. Li te dit, le que yo tap, li tap recevoir, oh bon, li te recevoir déjà, mais le que le tap by conférence pour te parler de rive officier Kenyan yo, li te dit, l'elle t'est sorti dans voyage États-Unis, li t'est redit ça encore. Mais avec un petit bémol pour dire que délai que l'État alors l'État délai les gros qui écoute. Les gros délai qui très écoute pour déposer les armes et pour reconnaître autorité de l'État. Parce que l'État pas qu'à faire toute une éternité avec bandi. L'État pas qu'à faire toute une éternité à demander bandi déposer les armes. Et de même pour déchirer mon ami, qui te dit que là où Zeta et Banda, tout autant que soleil pour qu'on lever. Et je dis, hein, mon yo, dans Port-au-Prince, dans divers côtés, y a levé voyou et y a demandé un seul bagay, sécurité. Sécurité pour permettre que yo capable aller dans l'activité. Sécurité parce que à travers sécurité, hein, petit capable aller à l'école. Sécurité parce que à travers sécurité hein, et si commerçant nous yo si détaillant nous yo a capable à vendre dans la rue hein. Sécurité à travers sécurité hein, moun ap capable à travail. Sécurité parce que à travers sécurité hein, que pays a capable fonctionner, diaspora capable entrer en Haïti et que on ensemble de activités cap capable reprendre dans pays hein. Sécurité c'est ça qui a demandé des Yvenes qui nous venir avec et Gary Kouni. Bon, l'important, Blaise Peterson, pour moun yo continuer à demander sécurité, parce que insécurité, c'est poison pour tout fonctionnement de yon pays. Et ou après, c'est le pays d'Haïti, autorité qui vivait optimum des affaires yo, yo montré que yo confortable dans l'insécurité et au grand peuple qui pratiquement tout le temps a pissé, donc cherché à accommoder avec situation difficile, c'est là, y a cherché l'autre issue. Si yo pas qu'à traverser ton son route ça, eh ben, yo arrangé ou y a l'autre côté. Et nous, dans le mois de juillet,
moment ça c'est moment que t'es rentré pays à un paquet de cob surtout avec Silao qui a sorti dans diaspora les personnes pour rentrer en Haïti Silao qui dans plateau central dans Sodo t'as pral gen en pile l'argent t'as pral rentrer dans économie zone ça avec fait que mon camel et vierge miracle Sodo et ben moun yo pas ka rentrer et ça fait nous web Bilolo Congo et qui pratiquement fait une vidéo qui est publiée sur compte X et après TikTok li pour demander avec Jeff La Rose qui était Jeff Goulois qui fait quoi qu'elle servit loi et même vidéo ça adressé tout avec Baron Pleine qui est bras papa vrai hein pour au moins quitter route là pour nous capable à parler avec des miracles solo. Alors c'est une situation qui est très grave, tout secteur, toute couche victime de ça qui a passé en dedans pays en pleine situation, l'important pour population lancer appel à autorité et autorité qui connaît qui langage qui veut parler avec bandi en pile dans était dans baïsam parce que gnèg là qui c'est conseil présidentiel. Yo connaît gnèg des nèg là qui ont fait yo fait gnèg. C'est pas direct mais organisation des partis politiques qui voyez là dans distribuer ça c'est eux même qui capable avec nèg pour négocier suspendre avec terre que média ou bien yo bail la police l'armée moyen pour traquer bandi ou blessé personne. Bon, on va venir avec PM Koni oui là et on va venir avec PM Koni et Desi Venes, nous va venir avec PM Koni là. On checker sur PM Koni puisque il est important pour capable dans cadre activité ça que il était présent. Et PM nan bay Mopal encore pour et puis gen madame Binuyan oui parce que pas oublier renouvellement d'Abinu et madame Binuyan qui c'est exactement et qui c'est madame Maria Isabelle Salvador qui parlait et nous va venir aller comme ça avec madame Salvador pour que nous capable garder avec zami tout parce que pas oublier grand pile acteur qui réagit concernant activité ça mais nous va venir avec PM Koni. PM Koni lui-même monsieur encore montrer que gen espoir pour Haïti monsieur montrer que lui-même il vient pour travailler, il vient permettre que la transition réussisse. Et Jean te dit, il a fait tout ça qui est dans le pouvoir pour que la transition soit capable de réussir avec le conseil présidentiel. Et c'est vrai, c'est une intervention qui est en français, mais nous devons faire effort pour être capable de garder et de s'en comprendre bien. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier. Ma présence ici témoigne clairement de l'importance que mon gouvernement accorde aux droits de la personne, ainsi que de notre détermination à promouvoir et protéger les droits fondamentaux, même dans les circonstances difficiles que nous vivons aujourd'hui. Les droits de la personne, en particulier les droits de chacun à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à la nourriture et à une vie sans inquiétude, constituent les piliers mêmes de toute société. Leur protection et leur respect sont essentiels au développement, à la paix, à l'harmonie et à la fraternité. Depuis déjà plusieurs années, Haïti présente régulièrement des rapports relatifs aux conventions internationales ratifiées, notamment à travers le mécanisme de l'examen périodique universel des droits de l'homme. Pour rappel, et ça a été déjà dit plusieurs fois, l'EPU est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme créé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 mars 2006. Il permet de passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres de l'ONU en matière de droits de l'homme. Chaque pays est examiné par ses pairs sur la base de son rapport national dans un esprit d'égalité et de transparence. Ça a été dit et je répète, Haïti a été examiné trois fois en 2011, 2016 et plus récemment en 2022, lors de la réunion du troisième cycle de l'EPU. Et lors de notre dernier examen en 2022, 82 pays sont intervenus et nous ont adressé 221 recommandations. Après consultation avec la société civile et les ministres, 205 recommandations ont été acceptées. Évidemment, je tiens à reconnaître l'excellente collaboration via le comité interministériel des droits de la personne et les Nations Unies, présentées par la section des droits de l'homme du. Et cette collaboration a permis l'élaboration d'un projet de plan national, d'action nationale des droits de l'homme, l'organisation de formations pour renforcer les capacités et la mise en place d'une base de données pour un meilleur suivi des recommandations de l'EPU. De plus, une campagne de divulgation des recommandations a été réalisée dans le Grand Nord et le Grand Sud, informant et impliquant les populations locales. Le présent rapport fait état de la mise en œuvre des recommandations sur les deux dernières années, des efforts accomplis et réalisés. Aujourd'hui, c'est donc avec plaisir que le gouvernement vous accueille pour discuter et recueillir vos recommandations sur ce rapport, car vous êtes nos premiers partenaires.
Ensemble, nous devons œuvrer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Haïti afin de construire une société plus juste et plus équitable. Nous devons créer les conditions nécessaires pour le respect des droits de chacun. Cela inclut la recherche de la paix et de la sécurité, la réduction de la circulation des armes et de la violence et le retour des personnes déplacées dans leur localité pour une vie normale. Nous devons également veiller à ce que l'éducation soit accessible à tous, améliorer l'accès aux soins de santé, augmenter le nombre d'établissements de santé et de personnel médical, lutter contre le chômage par la promotion des investissements et augmenter le nombre d'écoles professionnelles, les programmes d'aide sociale dans les quartiers défavorisés. En d'autres mots, on a une bonne idée de quoi faire et on sait quoi faire depuis longtemps. La question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le faire jusqu'à présent et qu'est-ce qu'on va faire différemment pour que dans un avenir très proche, on puisse montrer un progrès concret sur ces différents dossiers. Je pense que ce qui serait dommage, c'est qu'on se réunisse encore chaque année et on a le sentiment que ces différents dossiers, ces différents défis reviennent. Il est temps que la société haïtienne, que le peuple haïtien, que les communautés haïtiennes voient, constatent, vivent des progrès réels en matière de droit dans leur vie quotidienne. Et c'est ça l'engagement du gouvernement de transition. Pour finir, évidemment, je voudrais remercier le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la section des droits de l'homme du BIU pour leur excellente collaboration dans la réalisation de cet atelier. Je vous demande de sortir de cette pièce avec des recommandations concrètes, bien identifiées dans le temps, pour pouvoir tenir à la fois le gouvernement et ses partenaires imputables de résultats. Et je vous demande d'utiliser les différents réseaux et l'accès que vous avez pour nous rappeler de manière continue qu'on a un progrès à réaliser ensemble. Je souhaite que les représentants des institutions présentes profitent pleinement de cet atelier. Évidemment, je vous souhaite mon travail. Merci beaucoup. Ça, c'était et discours PM Gaïkouni dans un dialogue interfemme qui est organisé et journée qui c'est exactement samedi, qui était 13 juillet. Hein? Côté que PM Koni, monsieur encore parlé pour dire que le gouvernement a travaillé pour capable réduire la question de violence en le pays hein? Et travaille pour permettre que déplacer forcés soient capables de retourner la caillou, établir sécurité en le pays hein? Et permettre que respecter les droits de l'homme, les peuples haïtiens gagnent, que ensemble de droits qui ont gagné qui violé. Pabli, je vous dis ça, que l'écrit noir sous blanc dans maman loi pays. Hein? Noir sous blanc. Que droit à la sécurité. Droit à la mangeaille, droit au logement, droit à la santé, droit à l'éducation. Parce que à côté de tout droit ça là PM qu'on dit, elle dit si mon retourner l'école, c'est droit à l'éducation. Éducation à même niveau, à même vitesse. Droit à la mangeaille, quel que soit mon té gagne et pas gagne, té mon en bas, et ben il doit capable manger. Dans bonne condition à bien dire. Droit à la santé. Ça qui arrive, moun sa ge plus gros moyen, mais faut que ça n'est les centres de santé publique nou yo. Faut que l'hôpital général, je dis à que la police, l'État ou pas contrôle lien, faut être capable de refonctionner pour permettre que moun qui pi faible al prend soin la donne. Santé pas de luxe en Haïti. Et cette histoire, ou ensemble de cliniques privées, ou dit mais que l'hôpital privé, que pour moun yo, les arrivé la donne, c'est l'argent avant santé, mais c'est ça. L'État travaille sous ça avec le secteur et santé en Haïti. Ça, c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Éducation, il faut pas l'école ait l'ouvri. Dans la balade Sibonite, l'école presque pas fonctionné depuis plusieurs années. Et l'école là dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, il y a plusieurs mois là, il n'y a pas qu'à fonctionner. Mais il faut que l'année académique 2024-2025 a privé là, faut permettre que tout le monde soit capable de tourner l'école. Si élève l'école lycée Pétion, élève lycée Pétion, élève lycée Toussaint, élève qui est dans l'école nationale, qui est dans la capitale haïtienne, il faut qu'il soit capable de reprendre mes classes en septembre si je veux qu'il vienne là. Il est clair sur ça. Je dis, je crois que l'occasion, ça que PM, lui-même qui mettait accent, sur ensemble de droits ça yo, moi crois que vraiment important des Yévenes. Et je dis hein, PM Koni, en paix monde a dit que ou parler en pile qui ont fait action. Ou parler en pile qui ont fait action pile monde a dit. Je dis hein, et peuple a besoin action, vraiment besoin action concrète,
avec ce qui est visible, avec ce qui est réel. Parce que jusqu'à présent, yo dit yo, yo poko vraiment senti si yal ka voye nan question insécurité, misère, grand goût gande pays des Yévenes. La situation tout pays que autorité le perd contrôle secteur éducatif là. Ils sont pays qui a marché vers déblosaille vers sa wèk existé en dans pays en là. Parce que depuis un bon bout de temps, nèg qui rive optimum des affaires de l'État, yo entend yo pour banaliser l'éducation. Malgré que yo qui te entend qui vini avec programme qui cap permettre beaucoup plus de monde à l'école, mais yo fait gargote là-dedans. En prend exemple Michel Joseph Matéli qui vini avec question FNE qui cap encourager beaucoup plus de monde à l'école, yo banaliser. Yo prend l'argent ça vous faire affaire pas. C'est juste pour me rejoindre nous côté ou garder divers espaces en dedans pays hein, qui pas l'école cap fonctionner là-dedans. Ta côté qui gain foyer gang yo, les ti moun yo garder yo wè ces âmes qui kembe dans même monde qui dans zone là qui viennent pas être comme modèle pour yo qui ça fait c'est kidnapper violer tout le monde qui a fait et ben ensemble ti moun sa yo ou rendre que ou vinn gang. Premier ministre Gary Conny nan ti la parole ça qu'il te gagne en Blaise Peterson ou après qu'elle mettait en pile accent sur le commissaire qui dans Nations Unies cap défendre droit monde. Est-ce que ti moun sa qui va à l'école dans l'Antibonite dans petite rivière li encore nan kafoupe nan moupe nan lister, est-ce que ti moun sa yo yo pa gen droit? Le commissariat qui lié avec question affaire droit moun dans Nations Unies, est-ce que yo pa gen information ça? Qui ça produit comme rapport? Et c'est pas seulement rapport, ce n'est pas seulement des rapports, rapport avec action qui posé pour ensemble dérive ça yo pas arriver à travers département yo. Moins ti moun yo konn li, moins ti moun yo à l'école, c'est moins wap jwenn plus ti moun k'ap rentre dans gang. Et wap wè UNICEF nan sa ke yo produit comme rapport. Yo gade quantité ti moun plus passé 300 000 ti moun ki gay tout partout nan des centres de refuge qui pas préparé pour recevoir yo, ki k'ap rann ke yo trouvé dans situation très difficile pour condition de vie yo. Je veux dire ki sa nous dit tête non, ki sa nous comprend. L'en trouver dans situation comme ça et gagne ensemble des autorités qui tout simplement gagne comportement d'observatoire il y a observé si moun yo pas à l'école ça c'est affaire garder parents ça fait garder famille mais c'est pas l'État pendant il oublié c'est même constitution qui dit qu'il a suivre qui permet que autorité dans pays qui dit que si moun yo gagne droit pour y aller l'école pour y apprendre lire et écrire. C'est même constitution ça qui mandé yo même qui gagne cahier de sang yo même qui gagne belle machine. En dedans pays à coudé au pays, c'est même constitution ça qui mandait l'État, il doit assurer mon yo côté pour yo dormir, qui c'est droit au logement. Malheureusement ça ou pas, j'aime respecter. L'enge on peuple qui suspend à souffrir faute de connaissance, une garantie que pays que nous là, qui était les pelles des Antilles, il transformé en poubelle des Antilles, qui bail travail avec Magali habitant qui a grand passé fatra sans retirer dans pays. Laisse ça nous pour construire yon département nous pral construit yon état prospère pour tout monde qui sorti là dans senti yo fier parce que en pile haïtien perd fierté aujourd'hui hein, par rapport avec ça qui a passé là et communauté occidentiste les situations yo entendu yo pour rendre là son l'enfer parce que nous que tout comme valet ici valet touristique et historique yo et combat que vous menez comme petit pays nègre estimé si vous quittez pays ça dans bien arrangé côté gain l'union gain l'amour entre frères de même race de même nation ça et ben la difficile pour yo d'ailleurs Franklin de la Roosevelt te dit ça yo entend yo pour yo soulever nous une contre l'autre qui capren que situation vienne quatre fois plus difficile pour pays d'Haïti et de fait yo fait intérêt là-dedans parce que c'est yo même qui paye fabricant il a fabriqué cartouche yo fabriqué armes faut que je n'ai espace pour yo vendre moi même et non discours premier ministre dans activité interfemme qui pratiquement organisé pour discuter sous droit mesdames yogain annonce que femme actifie a violé dans minute que n'a parlé dans département la Tibonite il y a détourné machine il y a détourné camionnette bus avec femme actifie dans département la Tibonite pour rentrer dans base corporate sans où il a fait viol collectif sur yo en dedans ça vient c'est ça qu'a pratiqué village de Dieu sans doute ça qu'a pratiqué net bout bail dans Mariani c'est ça qu'il a fait descendre garder machine yo et femme qui plus en forme là dedans là yo prend yo fait servir objet sexuel en dedans basio. Est-ce que autorité ou pas statué sur ça pour permettre que justice fait pour moun sa yo le combat qui a mené pour rendre que sécurité tourne dans pays mais faut que nous d'accord femme yo plus victime surtout madame Sarayo avec ti moun que nous gagne qui dans quartier côté gang yo a contrôler ou pas même besoin causer yo pas même besoin mais avec yo
après on est venu pour qu'on s'est passé commandant besoin descend à jeune commandant et sortant d'ya péripétie timoun ça a commencé faut comment au bon façon yo penser avec ça pour aborder problème là et poser des balises pour résoudre problème là pour ça pas répéter dans pays encore les situations. Bienvenue avec Maria Isabel Salvador qui est même si chef Binion Haïti les mêmes qui était préparant et Andy et atelier de travail interfemme qui était organisé hein. Bienvenue avec Maria Isabel Salvador les mêmes qui était parlé tout et pour nous attendre qui ça madame Maria Isabel Salvador dit parce que pas oublier là il y a renouvelé mandat Binu pour un an encore si m'a trompé mandat Binu retrouvé encore dans pays hein. Et est-ce que Maria Isabel Salvador présente un bilan positif de tant que le gars gagne en tête Binu en Haïti. Nous pouvons regarder ça avec lui et je dis, est-ce que nous-mêmes qui sommes en Haïti, qui sommes à l'étranger, qui a observé le travail Mme Maria Isabel Salvador fait dans notre binion haïtien, est-ce que nous sommes capables de parler de ça? Désir, il y a une nouvelle qui vient là à l'étranger, c'est un chaviré dans l'échelle internationale. Nous apprenons que il y a un président Donald Trump qui lui-même, pendant qu'il était Pennsylvania, dans le cadre de campagne, pile 4 cap tiré dans le bloc à côté de fait meeting. Non? Et c'est gardé ou gardé, les gars dit qu'on rapproche pour prendre. Yo wè ki Zoé Donald Trump ben ensemble avec tout men visage li. Bon, il va gi pour on et puis ça ca passé, mais semble là. C'est touché, ça veut dire nouvelle fatale dit que Donald Trump t'a touché par cartouche, c'est cartouche t'a tiré. Mon cher, est-ce que c'est cartouche, il touché par cartouche que ne pas connait pour gè détails sur ça, mais image qui vient dans pile média là et même nous-même dans mes sacs nouvelles, nous capable wè que imaginant que Zoé m que c'est Zoé droit Trump gè pile sans cap pour li la donne. Mais gadi quand tu étais courir ensemble avec lui bon ne pas connait qui ça qui à la base pile tirer ça yo et qui ça qui à la course ça mais pas oublier élection 5 novembre 2024 États-Unis hein c'est pas un petit bagage petit élection 5 novembre 2024 États-Unis hein li pas un petit bagage petit parce que Trump clairement montre que élection ça faut le reprendre pour qu'à tourner dans tête États-Unis comme président. Et Joe Biden lui-même tout monsieur tout clairement montre qu'il faut le kembe, faut prendre un deuxième mandat derrière l'autre. Là et situation Haïti a pas mettre Donald Trump à l'épreuve si pas rien qui veut fait dans pays d'Haïti par rapport avec Haïtien qui a vu on parle de Joe Biden. Joe Biden qui au pouvoir. En tout cas, d'ici nous va regarder ça. Et on vient avec Maria Isabel Salvador sur de César. Et bah sur de César non mais sous bah dialogue interfemme. Oui, je dis, présence faux autorité nationale, yo, ensemble avec représentants société civile. C'est un message important qui témoigne espoir renouvelé avec un engagement renforcé nouveau gouvernement transition dans promotion et respect d'Oamou en Haïti. L'importance du rapport intermédiaire ne peut être sous-estimée. Il représente une étape importante pour faire le point sur les avancées, mais aussi sur les défis dans la mise en œuvre des recommandations de l'EPU. Il est également une plateforme pour partager les bonnes pratiques, renforcer la coopération et envisager des solutions aux problèmes persistants en matière des droits de la personne. Je reconnais que cet exercice est loin d'être facile, au regard des violations et abus des droits de l'homme qui ont été commis par les gangs depuis plusieurs années. Meurtres, viols, enlèvements des citoyens, mais aussi attaques et saccages des bâtiments publics, commissariats de police, tribunaux, hôpitaux, écoles, ne sont que quelques exemples. En face de cela, il y a une administration qui a vu ses personnels quitter le pays en masse et faire face à des grèves répétitives, notamment dans la justice. Mesdames et messieurs, depuis l'établissement en 2003 de l'examen périodique universel, la République d'Haïti a déjà achevé 3 examens dans ce cadre-là. À chaque examen, Haïti a démontré un engagement croissant en acceptant davantage des recommandations. 122 recommandations en 2011, 205 recommandations en 2022. Parmi ces dernières recommandations, quelques-unes m'intéressent particulièrement. Il y a d'abord les recommandations concernant les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et économiques. Elles sont déterminantes pour traiter les causes profondes qui sont le terreau de la crise que connaît le pays.
Il y a ensuite celle relative à la lutte contre la corruption. Des initiatives importantes ont été initiées, et notamment à travers le travail de l'ULCC. Mais le mal est profond. Pour éradiquer la corruption, la société civile et le gouvernement doivent travailler de concert. La première pour la dénoncer et le second pour la réprimer. Enfin, il y a la promulgation d'un plan d'action national sur les droits de la personne. Je sais que ce plan est finalisé. Sa promulgation par les gouvernements de transition serait un signal extrêmement fort envoyé à la population, aux acteurs de la société civile et aux partenaires internationaux. Mesdames et messieurs, l'engagement du BINU et de sa section des droits de l'homme envers le comité interministériel des droits de la personne, CIDP, et les autorités n'a pas faibli au cours de ces derniers mois en matière d'appui technique sur les questions des droits de la personne. En collaboration avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, le BINU a par exemple organisé des journées de formation virtuelle pour des cadres de l'administration et des membres de la société civile sur la question de la soumission et le suivi des cas de violation des droits de l'homme devant la Commission. Le BINU a également fourni des équipements informatiques aux points focaux du CIDP dans plusieurs ministères à Port-au-Prince, mais aussi dans les régions, pour suivre de manière plus précise la mise en œuvre de l'EPU sur le terrain. Le BINU croit que le CIDP doit jouer et peut jouer un rôle crucial dans sa fonction de conseil auprès du gouvernement et des ministères sur les questions transversales affectant la pleine jouissance des droits des citoyens haïtiens. À cette occasion, je tiens à réaffirmer l'engagement ferme et décidé du BINU et des Nations Unies en Haïti à continuer de soutenir Haïti pour qu'il remplisse ses obligations internationales et cela conformément aux priorités nationales établi par les autorités de transition. Je suis convaincue que tous ceux présents ici aujourd'hui partagent le même engagement pour travailler ensemble en faveur de la stabilité, de la paix et de l'avenir de tous les Haïtiens et les Haïtiennes. J'ai l'honneur de prendre la parole ce matin à la cérémonie d'ouverture de cet atelier de consultation sur le projet de rapport mi-parcours au sujet de la mise en œuvre des recommandations du troisième cycle de l'examen périodique universel d'Haïti, organisé en partenariat avec la section des droits de l'homme du BINU. La réalisation de cet événement sous le repatronage de la primature traduit la volonté du gouvernement de placer la question des droits de l'homme au centre de ses priorités. Bien évidemment, avec de nouvelles orientations que le contexte actuel requiert. Qu'il me soit permis d'adresser toutes les félicitations de l'OPC au cadre du comité interministériel des droits de la personne qui réalise un travail remarquable, non seulement dans la promotion du mécanisme, mais aussi et surtout dans la promotion et la production de tous les rapports périodiques et de leur suivi. Ainsi, conformément à sa mission en tant qu'institution indépendante nationale de promotion et de protection des droits humains, accréditée avec un statut A auprès de l'Alliance mondiale des institutions des droits de l'homme, l'OPC renouvelle son engagement à soutenir toutes les initiatives du gouvernement en vue de créer des conditions favorables au rétablissement de l'état de droit, à la paix et à la jouissance des droits fondamentaux dans le pays. J'ai le plaisir de vous informer, dans le cadre de cette collaboration, que Maître Fadia Saint-Vé, chef de service de liaison avec les ONG de l'OPC, a été mis à disposition de la primature. Mesdames, Messieurs, l'examen périodique universel, mécanisme du Conseil des droits de l'homme,
créée en mars 2006 en vertu de la résolution 6251 de l'Assemblée générale des Nations unies, s'inscrit dans une dynamique permettant à chaque État membre de déclarer tous les 4 ans et demi les mesures qu'ils ont adoptées pour améliorer la situation des droits de l'homme dans leur pays et pour surmonter les obstacles à l'exercice de ces droits. Recevoir des recommandations d'autres États membres des Nations unies s'appuyant sur des contributions des différentes parties prenantes en partie. Ça, c'est parole ensemble de acteurs et qui ont même été participé dans l'activité ça que Andy et plusieurs Andy organes qui organisent l'activité ça dans dialogue interfemme ça pour faire mesdames connaître droit et comment pour protéger droit bien que en Haïti donc on est que mesdames nous yo c'est pas mes catégories monde qui plus victime dans société hein. Ah oui catégorie monde qui plus victime dans société yo, c'est pas mes monde ça yo des femmes yo des petits monde yo des grands monde yo des handicapés yo c'est des monde qui victime en pile dans société hein. Et surtout dans période ça de gain là période ça question et Zak bandi armé kap koui fait mon koui quitter la kayo kap pousser do moun kap fait ça yo et bien ensemble de ça yo la cause que jodi a mesdames yo victime en pile par rapport avec situation ça fait mesdames reconnaître droit yo protéger droit mesdames yo ça veut dire paquet de bagaille parce que quelque part situation lui-même li paraît vraiment compliqué parce que là les gars de moun dans pays ça qui pas bay mesdames yo importance que yo doit gagner qui pas bay mesdames yo et qui va bay mesdames place yo, parce que jusqu'à présent gros question de quota 30% qu'a parlé en dedans bois l'état yo jusqu'à présent m'a même quoi que le respecter même que ce quota 30% ça m'a quoi respecter ça c'est un problème et je dis mesdames yo plus exposé yo plus flexible yo plus bagarre parce que les rive en côté c'est eux même yo plus souvent utiliser et nous on dit là yo utiliser comme instrument pour permettre que yo fait passage sous do yo sous yo alors que au fond mesdames yo yo pas vraiment bénéficier ça pour bénéficier et je dis en tout je dis avec femme yo mesdames yo et quel que soit en Haïti ou à l'étranger debout c'est haïtien nous connaître que ou gain droit gain de droit qu'on gagne et même là où est gain de groupe monde qui violé mais goumé pour que droit qu'on gagne capable respecter parce que ou gain droit pas ou gain droit dans société yon. Et surtout mesdames haïtien nous yo ça fait aujourd'hui pas normal comment on nèg parce qu'on gain zam nan men et bien parce qu'on gen zam nan mon au kati au katouye fiyan li pa ménage ou li pa madame ou OK et vous décidez pour coucher à cause de zam gen nan mon ou violer et si toutefois qu'il pa vle rentre dans rapport avec ou ou touyel ça arrivé en bas la Tibonite avec tout comment bas grand griffe Alexandre exactement ça arrivé dans carrefour feuille ça veut dire jodi hein parce que bataille pour que pour faire catégorie moun sa ou qui c'est mesdames dans société haïtienne que le respecter hein fann gomme pour ça et fann bataille pour ça parce que le respecter les jeunes qui va venir avec Jean-Michel Lapet aller comme ça mesdames yo besoin je rôle pas autour les personnes pour faire droit yo respecter parce que en pile fois mesdames yo considérer tête yo en premier lieu comme objet et parce que ça a été fait on fois mesdames étaient tout simplement gagné le droit pour hériter faire ménage dans carré qui pas gain droit pour le travail à partir des combats qui menaient qui rendent que mesdames ont pourtant des 30% mesdames ont peut affronter en regarder sur scène politique haïtienne combien de femmes que ouais qui brillent en regarder la presse haïtienne combien de femmes que ouais qui entendent yo qui brillent parce que en pile dans yo yo quand ils veulent comprendre que yo pas qu'à affronter gagne des bagages que ou pas qu'à faire et comme ça tout gagne yo question de féministes qui ba en pile problème des personnes qui en pile fois porter dans tête mesdames qui cap égal avec garçon ça lui permet en pile fois que foyer pas équilibré OK moi même souhaiter que mesdames assument responsabilité parce que yo gain responsabilité en dedans famille yo gain responsabilité dans décision sociale culturelle politique cap prend en dedans pays là c'est pour victime c'est eux-mêmes qui plus victime comme madame Sarah comme connaissant qui a fréquenté ensemble d'espace et même yo même tout qui pral postuler pour capable jeune un job directeur administrateur entendre pour utiliser yo pour capable jeune un petit job les ça si mesdames te prend ça yo prend ta yo yo te bien choisi ou bien pour yo te bien mener démarche yo te mener cause yo
des bagages qui a privé ou qui pas privé. Et nous pas qu'attendre pour nous un pays qui équilibré tant que Jean Roosevelt, Jean Chantel donner le monde aux femmes parce que selon lui, l'Ouest c'est un être qui fait avec l'amour qui a empêché la guerre à travers le monde. Est-ce que nous allons mettre Haïti aujourd'hui sous contrôle d'une équipe femme qui côté a mené? Personne ne pas connaît, mais c'est pas là que nous, mesdames, nous besoin continuer intégrer et continuer la bataille presque chaque jour. Bien content. Non, décision c'est là. Dans Chita parlé c'est là. Responsable Buni, responsable OPC, Premier ministre Gary Conille. Il y a un mot qui est important pour mesdames, nous joindre justice par rapport avec ça qu'on est en dedans pays. Et aussi principale victime de l'examio et au lieu arrangé Maria Isabelle Salvador qui est représentant venu dans le pays d'Haïti qui prend la parole comme représentant des Nations Unies. Je dis Nations Unies dans ce qui a passé, il y a un jeu, il y a un fait comprendre, il y a un moyen nécessaire. Ensemble des pays qui font partie des Nations Unies, il y a un moyen pour aider les pays à sortir dans sa lia pour droit femme de suspendre violée, pour droit de de suspendre violée. Mais non, il n'y a pas prendre direction ça. Combien de temps il y a pris et qui ça doit passer encore pour arriver et faire vraie mission ça en dedans pays en situation. J'aime dit la Désir Venesse, nous allons venir avec ancien PM Jean-Michel Lapin sous monsieur était ancien premier ministre sous Jovenel Moïse. Monsieur qui était présent dans l'émission Analyse sous Télé Radio Métropole journée alors samedi qui était 13 juillet. Hein. PM Jean-Michel Lapin dans micro et confrère nous. Monsieur dit appel parole. Monsieur dit appel parole et parole monsieur Dio. Il y a demandé pour analyser pour questionner yo parce que pas oublier Jean-Michel Lapin. Monsieur fait toute une carrière dans l'État jusqu'à ce qu'il arrive comme premier ministre. Et donc là, moi, c'est que société, un pays, il est toujours bon pour être capable d'entendre deux mondes, des acteurs politiques, deux mondes qui sont passés dans l'État, qui compréhension, qui lecture de sa capacité là. Parce que, pas oublier, nous, je dis nous ça, ça n'a vivre là, lycée mauvaise gouvernance, lycée mauvaise administration, que la dernière année, que classe politique arrive maintenant là. Oligak corrompu est maintenant là. La communauté occidentale est maintenant là. Je dis, il faut regarder ça et faut analyser des événements. Très bien. Organisation élection. Mm-hmm. Ou dit, violent ou pas accordé pour même ce qui action que tu as mené pour estimer que vous êtes même longueur d'onde. Moi, je pense que responsabilité pour ça qui a passé, c'est CPT. Parce que à l'installation, ou du moins à la prise de fonction de M. Kony, CPT a dû remettre les documents qui gagnent les grandes lignes d'action, les priorités du gouvernement, feuille de route. Et lui-même, il a pris pour responsabilité, c'est à partir de là. Il a regardé qui a pu transformer les grandes lignes en action et qui a bali et facilité Kony pour les chercher moun pour le mettre dans le ministère. Parce que c'est ça, gestion publique, là, c'est d'abord la conception, la planification et l'exécution. Exécution, c'est avec moun. Donc, bagay ça a mis là, l'imande 1, 2, 3 comme action, est défini, identifié. Donc, la capable de connaître, c'est telle ressource humaine, c'est telle compétence qui est capable peut-être pour tes résultats dans la situation. Ça. Est-ce que l'absence de cohésion, ça n'a pas risqué d'empêcher machine dans le marché? Machine dans bloqué. Hein? Pour moi-même, ça m'a gardé là, ouais, machine dans bloqué. Parce que ou gagner un gouvernement avec bon, qui est capable peut-être de gagner en pile compétence sous papier. En pile compétence sous papier, je vais répéter lui, sans pour autant pas gagner habitude ou bien expérience dans les affaires de gestion publique. Hein? Non, malheureusement, on a constaté ça de gouvernement en gouvernement, c'est toujours des décisions politiques qui primaient pour yon bail, yon moun et yon ministère. Ça ne veut pas dire que moun n'a pas gagné compétence, non? Mais non, beaucoup voulaient d'accord que la gestion publique là sont sciences liées, même bien à toute l'autre science. Donc, c'est ça, on a constaté là. Un gouvernement, à la grande majorité, avec des novices, dans la gestion publique. Et ça va prendre un temps pour apprendre la machine. Et moi, j'ai une pile d'inquiétude, particulièrement par rapport au ministère de l'économie et des finances. Est-ce que ce n'est pas un problème?
Vous êtes des pays en CPM et Jean-Michel Lapin? En CPM, Jean-Michel Lapin, ou la désir? Oui, Jean-Michel Lapin. Hein? Monsieur dit que machine nan bloqué. Mm-hmm. L'aide dit machine nan bloqué, ça veut dire gouvernement koninan et conseil présidentiel. Yo. Monsieur Dame, pas voulu montrer ça. Mais moun kap suivre. Mm-hmm. Et moun ki li nan ti let fin, mm-hmm. yo e gon blocage. Et ça, en CPM koni avancé. Alors, pardon, en CPM Michel Lapé avancé. Pour moi-même, c'est tout à fait normal. Mm-hmm. Parce que jusqu'à présent, accord 3 avril qui a accouché CPT1, il faut que j'aime sortir dans le journal payant le moniteur. Mm-hmm. Et c'est accord 3 avril, là, c'est lui qui fait 2 août, CPT1 et gouvernement. Gouvernement, très bien. Et c'est Gary Koni, c'est deuxième tête exécutif là, mm-hmm. qui t'a pral exécuté feuille de août qui mettait campé conseil présidentiel. Mm-hmm. Appelez ça me dire non? Ensemble de partis, ensemble de secteurs qui t'a voué, qui mettait campé conseil, qui représentant, ils ont travaillé sur un document. Ils ont le 3 avril 2024. Mm-hmm. Et document ça t'est clairement dit. C'est premier ministre qui pral venir avec gouvernement là qui pral exécuter feuille de août ça et accord 3 mm-hmm. avril là. Et jusqu'à moment on a parlé en la désir. Eh bien document ça accord 3 avril là, li beaucoup jeune publié dans journal officiel le moniteur. Mm-hmm. Et si jodi parce que ça pas ta problème non? PM koni documenté qu'a toujours publié et puis yo bal document pour dire bon mais ça pral exécuter lui-même li faire de action qui peut être qui lié et qui en dedans point n'a accord 3 avril là oui ce qui va ta déranger non depuis ça l'a fait yo pas or yo pas en parallèle yo pas opposé avec ça qui dit en dedans document accord 3 avril là li pas ta problème mais c'est parce que kounya document pas publié c'est vrai PM nan kon document. Mais on dit étatiquement, il n'est pas sorti. Qu'on a ou capable de dire que PM Koni l'a exécuté plan pal, feuille de route pal. Ça veut dire, il n'est pas dans la question accord 3 avril là. Bien que, accord 3 avril là, il était déjà violé selon le monde. Très bien, ça, ça va dire. Depuis qu'on a été campé conseil, dans la prestation serment, dans l'installation, dans l'ensemble de bagailles, et venir avec le président conseil là. Parce que les gens te dit, c'était une majorité 4 sous 7 qui voulait dégager. Mm-hmm. Les pour capable mettre au monde comme président conseil. Mm-hmm. Et les gens pas fait ça, ils ont fait sous base de consensus. Que donc ça, c'est déjà une violation que les. Oui, très, très bien, très bien. Et c'est là, des heures d'après commencer. Et là encore que les gens ont imposé et Fritz Bélizier comme bon, Jean que et un sénateur Maurice Jachal te dit Maurice là. Mm-hmm. Là déjà c'est un ensemble de violations. Eh bien, qu'on est là, qu'on est lui-même, qu'on est son intelligence, son autorité. Et jusqu'à présent, le président conseil a choisi sous base consensus, ce qui pratiquement en dehors, mm-hmm. accord 3 avril 2024, que vous tout y a parlé, eh bien, qu'on est qui vini, je tiens, blesse personne, qu'on est vini ici, non soit que monsieur songe, gain ensemble de monde qui a avancé pour dire, c'est une imposition qui a été faite avec tout conseiller présidentiel pour y avoir voté à l'unanimité. Celle et Laurent Saint-Cyr qui n'a pas voté parce que le secteur privé des affaires là, il était pratiquement dans le jouet là. Laurent Saint-Cyr était obligé de quitter le pays pour voter pas fait à l'unanimité, pour pas montrer que yo même qui dans le secteur privé des affaires là, yo même yo pas voté tête. Et par lié tout. Gagne dénonciation de corruption de gros l'argent qui baille dans question bagaille vote si là et gars koni très très pétrat avec nèg yo l'argent jouet coquin ablié en pile monde garder gars koni comme un gros comme un gros gérer la tortue numéro 2 la situation di pratiquement qu'on fait de route qu'elle vient avec ou après que gars koni a avancé là non sorti gars koni pour la Washington DC la situation li pratiquement éclaté bagaille là ou après Moïse Jean-Charles qui gagne entreprise li dans la rue dans faire mobilisation pour cap attirer attention pour jeune plus bagaille. Et moi je ça le rappeler. Li d'accord
en partie que bien partage gâteau parce que les ministères de l'agriculture et il était ministère de l'environnement c'est Bali ou pas Bali ni pas pété elle tout rappelé avec Gariconi qu'elle pas gonne carte blanche n'importe là n'importe l'obé qui a pété contre gouvernement Blaise Peterson. Nous devons être très prudents. Nous avons un pays qui a goûté à passer notre transfert par ensemble autorité qui l'a eu, qui ne peut pas porter un rien de sérieux comme changement. Mais si on a un paquet de bagages que vous devez faire, nous avons dit que le conseil présidentiel là, il peut gagner 3 mois depuis qu'il a installé en fonction de la situation. Si ça peut être énuméré les grandes actions que vous posez qui peuvent être résultats pour la population, nous avons bien aimé que c'est moi qui a regardé, qui a été équitatif, qui première action que vous avez. Conseil présidentiel yo ak gouvernement qui déjà monté là yo monté gouvernement aussi rapide tant pour Jean Moïse Jean Charles te dit mais monté gouvernement a qui fait qui ça que déjà fait là je dis qui montrer que le peuple a pas jeune soulagement si n'a regardé moi-même t'a ka dit que me pas wè rien peut-être je mon cap garder cap tande yo qui doit wè plus loin passer nos blessures personne yo cap wè qui ça CPTA ak et conseil avec gouvernement exactement qui ça déjà réalisé en avance avec Jean-Michel Lapin. Problème. Est-ce que c'est pour les gens qui gagnent ou bien tout, c'est parce que les gens qui n'ont pas fait assez de crédit qui fait c'est... que n'ont pas pris des gens qui sont habitués à rouage l'État? Je ne sais pas quoi c'est pour les gens qui gagnent. Nous avons assez de compétences. Moi, je dis déjà et je répète, entre le ministère des Finances, le ministère de Planification, le ministère des Affaires étrangères, la primature, nous avons compétences pour faire 4 gouvernements même jour. Donc, c'est toujours une approche politique. Il faut que d'accord tout que décision ça qui mène nous à format de gouvernance que nous gain là hein on s'est pété avec 9 membres donc son décision politique liée et décision politique yo à chaque fois nous retrouver nous dans situation ça parce que son parce héritage à réalité nous on voilà. Bail résultat que c'est son héritage qui grandit qui vient mettre dans ça là donc il pas jamais porter rien. Donc, après 86, 2004, etc., etc. Donc, c'est là, moi-même, qui étudie Chita. Donc, moi, attends-moi dans les prochains jours. Je ne suis pas d'accord avec la tendance critique qui prend forme, l'opposition qui prend forme, qui cherche le contenu qui a remis l'autre transition, non? Moi, je crois que le côté a privé, particulièrement dans 90 jours du gouvernement, il est obligé de faire des rodages. C'est exactement ce que ça me doit poser. On me doit dire que dans environ 2 semaines, CPT a bien 90 jours depuis l'installer. Donc, est-ce que vous estimez la période de grâce là, monsieur, a bien bougé ou bien tout a gagné des remaniements, des changements en termes de stratégie? Et en termes de ressources humaines, parce que si il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des résultats, il y a un côté, il faut qu'ils mettent l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais là, non, je ne pense pas que Lyon-Tijan trop pressant pour nous parler de bilan. Là, on veut entrer dans le bilan CPT, non. Et CPT a lui-même, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui perd du temps pendant qu'il est cherché un leadership de gouvernance. Une élection fin faite. Il était d'accord avec le président, après contestation, il dit qu'il y avait une présidence tournante, etc. Il faut que nous rappelions, il faut que nous d'accord, nous avons gouvernance publique, nous avons gestion publique. Bon, situation permet nous tout, nous avons gardé des gens dans le temps, il y a 20 ans, 30 ans et même plus, qu'on a vendu la société comme des experts en gestion publique. Et qui n'a jamais eu de chance, effectivement, de responsabilité de gestion publique. Et je dis à la pointe que ça, c'est pas ça. Donc, moi, je pense que, effectivement, c'est peut-être un peu le temps pour c'est des secteurs politiques. Et de chaque conseiller politique, il y a des secteurs, encore des secteurs politiques, et intérêt au bas même, ni politiquement, ni économiquement. Et malheureusement, dans l'installation ou bien dans la prise de fonction CPTA, il y a une bataille électorale qui a commencé. Donc, je dis à la situation qui est plus grave, parce qu'avec le Premier ministre Kony, qui est même pratiquement prend toute responsabilité des réussites et transitions,
Parce que c'est la première fois dans l'histoire du pays. Hein, depuis nous gagnons un système bicéphale hein, avec un premier ministre, c'est la première fois que nous gagnons un premier ministre qui gagne 5 ministères régaliens là-dedans. Qui gagne droit de gestion sur 5 ministères régaliens. Qui est-ce là-dedans? Ah bon, ministère des Finances, ministère de Planification, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur et autres. Donc, là, dans le temps normal des choses, un premier ministre pas même. Tu es capable à demander de gagner une dans ce que ça va nous faire. Donc, pour moi-même, le Premier ministre prend toute responsabilité de réussite ou d'échec de la transition. Et c'est là qu'il y a un contrôle de la machine là, jusqu'à présent. Est-ce que ce n'est pas une assurance que le lien a réussi qui fait poser action ça va comme ça? Et en gestion publique, au départ, on a parlé d'assurance de réussite. Hein, parce que ce n'est pas où qu'elle fait tout le bagaille. C'est une question de système d'exécution. Donc, on prend par exemple le ministère des Finances, qui c'est épine dorsale, machine étatique. Là. Hein? Donc, qui j'ai une relation aujourd'hui à, entre ministre là, avec le chef de cabinet, d'après les informations qui partent dans le système. Là, hein? Ministre là, qui est là, dans le bon titan, mais qui est sorti, de temps, qui est là, dans le aujourd'hui, c'est la même réalité. Là. Donc, ça prend le temps pour le comprendre, machine là, hein? Et qu'on y a pour l'orienter vers l'objectif que le gouvernement a. Là, si gagne Rita la donne, moi presque quoi que j'aimerais dire déjà, à partir du 1er octobre, je ne sais pas qui est. Qui conseille? Est-ce que c'est le Premier ministre ou bien qui ministre qui vient annoncer au peuple là que 7 février 2026 là, pas qu'à respecter? Ah, vous avez anticipé? Moi bien dit, je répète encore, à la date du 1er août prochain qui vient là, si pas gagne des actions qui allaient vers la création d'un conseil électoral, vers le renforcement de l'ONI, pour nous connaître qui ça électoral est aujourd'hui, parce que les gens qui étaient déplacés, qui étaient peignés, qui étaient quoi des bouquets, hein, qui est sur eux, côté eux, il y a quelqu'un qui mourit là-dedans, quelqu'un qui est parti, etc. Donc, il y a mineur qui vient de majeur. Tout. Justement, doit gagner un programme de renforcement de l'Office national d'identification hein, qui doit déboucher dans tout le pays à travers les collectivités territoriales avec. Là, Désir Lenga de ça, il vient de nous qui ça. Et où est ce vrai PM dans. Koni montre que PM Koni montre que alors comme si pour empêcher que comme si de ministères qui c'est des ministères régaliens de ministères qui c'est des ministères clés on va prendre jeudi donc planification intérieur et finance affaires étrangères tout ça yo ça montre clairement avec qui ça. Ça montre que, clairement, selon ancien PM Jean-Michel Lapin, ça n'a pas dit que PM n'a pas de pa résultat avec le ministère régalien, ça ou non. Mais, il montre que, est-ce que le fait que c'est PM qui contrôle tout le ministère, ça yo, qui ça s'appelle Kabay comme résultat? Parce que il vient de trop pression sous doule. Bon, c'est vrai, moun ki li mette dans le ministère sa yo, et ki doit c'est de moun ki li gen habitude travail ensemble avec yo. Mais qu'on a habitude travail ensemble avec yo, c'est pas là. Parce que là c'est un gouvernement, là c'est ministère. Et vin prend pays dans un contexte difficile comme ça, c'est là problème n'a posé. Et là problème n'a posé, donc ça on pense que Désir Venesse que situation li paraît vraiment vraiment compliquée et vraiment difficile. Par rapport avec sa gain comme situation. Est-ce que nous prenons le capable exactement joindre que le gouvernement pourra réussir ou pas?
que l'île dit trop bonne pour parler de 90 jours pour gouvernement ça pour nous parler de bilan pour lui. En tout cas, c'est ça qu'a dit bon côté et ancien PM Jean-Michel Lapin des Yvenès que l'irrité pour nous dire merci et pour nous par contre histoire on rajoute aussi tout petit. Bon et ancien PM Jean-Michel Lapin lui montrer que à partir des 1er août cap vienne là au cap saisi ouais monsieur Damio qui dans conseil présidentiel transition et gouvernement senti que 7 février 2026 qui t'a donné un président qui rivait élu pour renouveler les personnels politiques monsieur Kavin dit non il pas capable pour gagner une éventuelle continuité d'Ariel Henry qui t'a fait 32 mois en n'est pas privé fait mais situation c'est des situations qui va être très grave et ou pas vraiment ouais volonté bon côté acteur yo chaque peut-être obsession bagaille s'il a capable rappeler et premier ministre ou pas gain droit comporter en bête pays en bête pouvoir et si la cap dire va bail carte blanche et mais situation là paraît extrêmement compliquée pour pays hein ces affaires que peuple a doit arranger les situations pour garder position pour arranger pour capable avancer cabrande que la république prend est configurer les situations merci de se venir à croiser dans mi temps journée pour émission parler pour changement merci de la situation merci tout le monde j'étais fidèle avec ensemble média ça les infos pour une nouvelle votre calbas info racine nouvelle haïti mais sac nouvelle met affaire met causer et sous fait tomber sur plateforme ça abonnez à Kyo, activez cloche notification pour ne pas rater aucune émission qui a bien pour présenter. Merci tout le monde d'avoir croisé. Dans la mi-temps, on a parlé de changement.